Je voyage très peu, sauf pour mon métier. Je pars rarement en vacances parce que j'habite et je suis née sur une île où c'est, où j'ai l'impression d'en être en vacances toute l'année. En tout cas, dans mon entourage, que ce soit ma famille et mes amis, ils ont souvent, sont souvent retrouvés dans des boîtes de nuit en Espagne ou dans un hôtel en Pologne et dans un ascenseur ont entendu mes chansons et je suis assez fière de ça. Quand j'habitais à Paris, j'avais des fans en bas de la maison. La plupart du temps, ils étaient bienveillants. J'ai rarement eu des confrontations avec eux ou des moments où j'étais pas très à l'aise. Mais ils sont assez respectueux. Donc ça, c'est plutôt une chance. Et en même temps, je crois que tous les artistes, que ce soit des chanteurs, des acteurs, on a toujours des fans un peu plus acharnés que d'autres. En tout cas, ils ont toujours été touchants, avec des mots touchants. Et sur souvent mal à l'aise, j'ai beaucoup de fans qui se mettent à pleurer quand ils me voient. Et je crois qu'en fait, je suis plus mal à l'aise qu'eux, parce qu'à ce moment-là, du coup, je leur dis qu'il n'y a pas de raison de pleurer et que tout va bien. Quand on fait des albums, on se fait plaisir, mais on fait plaisir aussi au public. Et là, c'était plus me faire plaisir moi et oublier les codes. Ce qui me plaisait dans ce disque, c'était que je ne parlais pas de moi, parce que ça a toujours été un peu compliqué pour moi. C'était raconter une histoire bien précise, parler de quelqu'un d'autre. Alors que cet album-là, c'est plus moi, je me dévoile et c'est plus biographique que le précédent. J'avais envie de revenir à ma culture musicale, tout simplement. Quand j'étais petite, j'écoutais ce qu'écoutaient mes parents, tout simplement, à la maison. Et mes parents écoutaient du Charles Aznavour, du Joe Dassin, du Madonna, les Beatles, ce que moi, j'ai écouté quand j'étais plus jeune et ce qui m'a donné aussi envie d'être dans le milieu artistique. Je suis chanson française, évidemment. J'aime bien le rap aussi, j'aime bien Booba, j'aime bien Sexion d'Assaut. Et puis après, j'essaie de m'intéresser beaucoup à la pop aussi parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais. En France, il n'y a pas beaucoup de chanteurs pop. À part par exemple Christophe Willem, je trouve que c'était un peu l'équivalent d'un Mika, même s'il s'est un peu dirigé vers l'électro, mais je trouve que la France manque de chanteurs pop. Ouais. Il y en a tellement, mais je crois que Si Maman Si reste une de mes préférées, et surtout parce que je la chante avec ma fille souvent en voiture.